Oui, pour nous donner la parole. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Dieu va exaucer ta prière. Parce qu'il y a quelque chose qui est certain, et ceci, Dieu exauce toujours la prière. Et ce soir sera cette soirée où cette montagne de ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, et les choses qui te dérangent, et tu te demandes comment cela va se passer, comment cela va se passer. Ce soir, Dieu exauce encore les prières. Mes prières sont exaucées. Dis-le pour toi-même. Mes prières sont exaucées. Que cela soit confirmé au ciel, au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ta bonté. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu connais chacun, tu connais toutes les situations. Seigneur, tu es venu ôter les fardeaux de ton peuple. Je prie que tout ministre, tout ministère, tout ouvrier, toute famille, chacun ici et partout dans le monde, je prie, comme nous sommes connectés au Dieu du ciel, exauce les prières ce soir de façon miraculeuse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir dans les bénédictions du Seigneur. Nous sommes en Jonas chapitre 1, versets 1 et 2. Jonas chapitre 2, verset 1. Jonas pria. Il était dans le ventre du poisson. Il ne savait pas dans quelle direction il allait. Est-ce que c'est au nord ou bien au sud? Il ne savait, connaissait pas la position dans la mer. Parce qu'il était dedans. Il n'y avait pas de lumière là-bas. Et il était environné de beaucoup de choses. C'était étrange. Il n'était jamais dans une situation pareille avant. Toutefois, Jonas pria. Est-ce qu'il était à genoux? Est-ce qu'il était debout? Est-ce qu'il était couché? La position ne comptait pas. Ce n'est pas le fait que nous soyons à genoux, mais le fait que nous soyons debout, ou le fait que nous sommes couchés, ou bien que nous roulons par terre. La position ne compte pas. Dieu exauce les prières. Est-ce qu'il a pu parler à haute voix? Parce qu'il était dans le ventre du poisson. Toutefois, que ce soit silencieuse ou à haute voix ou en pleurant, ou que, peu importe la condition, Dieu exauce les prières. Comment étaient ses émotions? Est-ce qu'il était rempli de crainte? Est-ce qu'il était plein de regrets? Peu importe ses émotions, Jonas a prié. Et je viens vous dire, que tu sois debout, que tu sois à genoux, que tu sois assis, que tu sois couché, Dieu exauce les prières. Tu es craintif, tu as honte, ou bien tu as souffert inutilement, ou bien tu as des regrets dans la vie. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je me suis rebellé? Dieu exauce les prières. C'est une grande chose de savoir que tout seul, sans aucun partenaire de prière, sans que personne ne le soutienne, sans que personne ne puisse lui imposer la main, que ces personnes ne savent même là où il était, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort. Toutefois, Jonas a prié. Chaque fois que tu es dans une situation où tu n'arrives pas à dire là où tu es, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai même pas de Bible dans ma main. Et ce n'est pas le moment pour le culte d'église. Quelle que soit la situation, rappelle-toi, dans cette condition, Jonas a prié. Voici là. Alors, il avait dit, c'est Dieu qui marque le temps. Il dit alors, il dormait dans le navire, pas de prière. Finalement, on l'a jeté dans la mer et la baleine l'a reçu, l'a envalé.
Où est-ce que la baleine va l'emmener? Il était ignorant. Il ne savait pas là où conduirait le châtiment du passé conduirait. Il ne savait pas là où conduirait le voyage dans lequel il était embarqué. Mais quand tout a échoué et quand je ne peux toucher personne, pas de famille, pas de communion, alors, en demain pareil, Dieu n'a sa prière. Et Dieu exauce les prières. C'est comme ça que Dieu va exaucer ta prière ce soir. Et il pria l'Éternel. Il n'a pas prié notre Dieu. Il pria le même Dieu dont il fuyait la présence. Quand vous regardez Jonas, vous verrez que fuir et se cacher étaient les choses majeures de sa vie. Dans le chapitre 1, il fuyait loin de la Dieu. Il fuyait Dieu. Dans le chapitre 2, il fuyait vers Dieu. Dans le chapitre 3, il courait pour Dieu. Malheureusement, dans le chapitre 4, il fuyait contre Dieu. En ce moment, l'homme qui court, l'homme prodige, l'homme rétrograde a prié. Jonas, dans le vent du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, je reviens. Il est maintenant mon Dieu, mon Dieu. Il avait la foi en lui. Tu peux aussi avoir la foi en Dieu dans toute situation là où tu es, dans toutes les situations où tu te retrouves. Il souffrait. Il était caché là-bas dans le ventre du poisson. Il dit, il est toujours mon Dieu. Jonas pria, l'Éternel son Dieu dans le ventre du poisson. Verset 3, on dit, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Plusieurs choses nous conduisent à la prière. On peut prier parce que nous voyons les promesses de la Bible et nous sommes si excités et contents en voyant les promesses et pour cela, je vais prier. On peut prier à cause des douleurs, à cause des plaies, à cause des afflictions et à cause de quelque chose qui est survenu sur nous et nous ne connaissons pas la porte de sortie. Tout ce qui nous conduit à Dieu, que ce soit les douleurs ou les promesses, que ce soit la joie ou la tristesse, que ce soit le chagrin, quel que soit ce qui nous conduit au Seigneur, une chose nous savons, Dieu est toujours là et il nous espère. Et Dieu va exaucer ta prière. Il dit, j'ai crié dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé, il m'a exaucé. Dieu, le Dieu du ciel, a exaucé l'homme. Il priait dans les confins de la mort, de la mer, et dans le ventre du poisson. Et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié du sein du séjour des morts. Il ne pouvait pas décrire là où il était autrement. Il dit, j'étais littéralement dans le ventre, au sein du séjour des morts, pas de secours, pas d'avenir. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Mais il dit tout de même, le Dieu éternel, tout de même, le Dieu éternel, je vais invoquer son nom. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et encore il dit, et tu as entendu ma voix. S'il a entendu Jonas, en ce moment, dans ce lieu, dans cette situation, sans aucun espoir de s'en sortir du séjour des morts, s'il a écouté Jonas, il va t'entendre. Il va exaucer ta prière. Il a écouté Jonas en ce moment et aujourd'hui. Notre Dieu éternel, qui n'a pas changé, qui ne va jamais changer de génération en génération et de siècle en siècle et de tel côté à tel côté, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de génération partout, en tout lieu, en tout moment, Dieu l'a écouté, Dieu va t'entendre. À quoi penses-tu? À ta condition en ce moment, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu en dis? Personne ne me comprend. Personne ne comprenait Jonas. Mais sa condition, mais tout de même, que les gens comprennent ou que les gens ne comprennent pas, Dieu
a écouté sa prière et Dieu merci ce soir, il va écouter ta prière. Je vous parle ce soir du message « Le secret des exaucements miraculeux à la prière ». Le secret des exaucements miraculeux à la prière. Le message est en trois parties. Premièrement, la garantie des exaucements indéniables à la prière. La garantie, l'assurance des exaucements miraculeux indéniables à la prière. Troisièmement, deuxième point, le secret des nombreuses prières non exaucées. Pourquoi les prières ne sont-elles pas exaucées? Les gens prient, on jeûne, on dédie du temps et on va même à une retraite dans la prière. Et on dit que tout ce que nous faisons ici, c'est de prier. Mais des fois, pour la retraite de prière, parfois c'est le renoncement personnel. Ça prend du temps même. Nous nous confions à Dieu et il n'y a pas d'exaucement. La question, pourquoi? Le secret des nombreuses prières non exaucées. Troisièmement, la spontanéité des exaucements merveilleux aux prières. Quand Dieu exauce soudainement et spontanément, l'exaucement miraculeux vient du ciel. La spontanéité des exaucements merveilleux aux prières. Premier point maintenant, la garantie ou l'assurance des exaucements miraculeux indéniables à la prière. Dans toute évidence, nous savons que l'exaucement de la prière de Jonas est indéniable. Il était dans telle direction, avalé par le poisson dans la mer. Maintenant, nous le retrouvons plus tard du bon côté de Ninive. Et comme il était au bord, nous le voyons en bas, nous voyons maintenant en haut. Un homme qui était englouti, nous le voyons libéré. Un homme qui était dans le ventre du poisson. Maintenant, nous le voyons en public. Et nous savons que cet homme, il est un miracle lui-même, la garantie des exaucements miraculeux indéniables à la prière. Jonas chapitre 2, verset 7-8. Verset 7, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. C'est ce qu'il pensait. Il dit, la souffrance peut conduire à un type de souffrance pour toujours. Mais tu m'as fait remonter. J'étais descendu. Le Dieu du ciel m'a fait remonter vivant. Dieu est capable de révoquer toute chose, toute situation négative de ta vie. Et il le fera. J'ai dit, il le fera. Tu m'as fait remonter de la fosse. Éternel, mon Dieu. Verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Ma prière est parvenue jusqu'à toi. De toutes directions, partout dans le monde, que ce soit sur la terre, dans la mer, sous la mer, sur les montagnes, profond dans la vallée, ou même dans le ventre du Seigneur des morts. N'importe où la prière offerte dans tout l'univers, cette prière va au Seigneur. Il dit, ma prière parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Cette partie en trois éléments. Premièrement, la passion fervente d'une âme affligée et réveillée. Si quelqu'un a été réveillé, Jonas l'a été. Il était réveillé à la situation. Il était éveillé par rapport à ses problèmes. Il a été réveillé par rapport à ce qui pouvait conduire à la souffrance éternelle. Et il a été passionné, même s'il était dans l'affliction, cette affliction l'a réveillé. L'a réveillé et il avait donc la passion fervente dans la prière. La passion fervente d'une âme affligée et réveillée. Deuxième élément,
la douleur effective d'un souffrant appréhendé et agonisant. Il souffrait. Il était l'agonie. Dans la souffrance qui était. Et la douleur était effective. C'était cette douleur qui l'a conduit à la prière. Et c'est cette douleur qui l'a poussé à avoir la foi en un seul Dieu qui pouvait lui délivrer. Troisième élément, la prière d'élévation d'un serviteur reconnaissant et acceptable. Il est venu à un lieu où il a apprécié Dieu maintenant. Un grand Dieu, un Dieu miséricordieux, le Dieu qui a le dernier mot. Il a apprécié maintenant qui Dieu est. Et il était consentant avec le Dieu du ciel. Il dit, Dieu, je suis d'accord avec toi. Tu as toute la puissance. Tu es tout puissant. Et tu es tout suffisant. Tous tes attributs, je suis d'accord. Là où il était, l'a amené à cet accord, à cette compréhension et à cette appréciation. La prière d'élévation d'un serviteur reconnaissant et consentant. Premier élément, la passion fervente d'une âme affligée réveille. Je peux vous dire que Jonas ne sommeillait pas. Quand il priait, il faisait cette prière. Il ne sommeillait pas quand il priait. L'affliction est une manière de nous rendre passionnés. L'affliction est une manière de nous amener à prier, à faire un type de prière avec vraie conviction. Il n'y a pas d'absence d'esprit là. Quand Jonas priait, la passion fervente d'une âme affligée est réveillée. Ésaïe 26, verset 9. Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et dans la nuit d'affliction, dans la nuit des problèmes, dans la nuit de la confusion, dans la nuit de la maladie, dans la nuit des douleurs, dans la nuit où tout est à la renverse, oh mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. C'est ce qui lui est arrivé. Le jugement de Dieu était sur lui, ici sur la terre. Il se dit, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça, c'est la main de Dieu. Et ça, c'est la provision de Dieu. Et ça, c'est le jugement, le châtiment venant de Dieu. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et ce qu'il a appris. Et voilà pourquoi il a fait une prière passionnée. Verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Faut le gâter, tapote-le au dos. Le méchant te sourit et lui dit, oh, Dieu t'aime, tout le monde t'aime, l'église t'aime. Et l'église veut, le méchant va continuer dans sa méchanceté. Quand nous leur manifestons l'amour de Dieu comme sa main, comme Jonas, quand toutes les choses marchaient bien, il a payé l'argent, il était dans le navire, ils allaient à Tarsis, c'était comme si tout allait bien, il pouvait même aller dormir. Mais si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Mais maintenant, dans l'affliction, il a été réveillé dans l'affliction. Il a prié dans l'affliction. Il a manifesté la passion fervente qui l'a poussé à crier à l'Éternel. L'élément suivant, deuxième élément, la douleur effective d'un
d'un souffrant appréhendé et agonisant. Dieu l'a appréhendé, l'a arrêté. Il a dit maintenant, c'est entre toi et moi. Puis il n'y a plus de navire ici. Ça, c'est ma baleine. Cette baleine fera ma volonté. Tu dis à cette baleine de te manger, c'est terminé. C'est entre toi et moi. Parce que l'homme a été arrêté et l'homme a été appréhendé. Il avait l'agonie au cœur. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait. Maintenant, en Jonas, chapitre 2, 3. Jonas 2, 3. Le Dieu du ciel, tu connais mon cœur de rébellion. Ça, c'est... Je ne savais pas. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Je ne savais pas qu'un médicament comme ça serait appliqué à mon âme malade. Et tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous tes flots, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Les vagues sont à toi, les flots sont à toi, le vent est à toi, la baleine est à toi. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Je suis chassé loin de ton regard. Moi-même, dans ma folie, j'ai fui ta présence. Maintenant, c'est comme si tu dis, tu veux quitter ma présence, tu veux faire d'accord ce que tu veux. Je te donne la chance et je te rejette. Et l'homme a dit, je voulais fuir Dieu et il m'a abandonné et la douleur est insupportable. Vous savez, parfois, quand vous voulez aller dans une direction donnée et ce n'est pas la voie que Dieu a tracée pour vous, et le Seigneur dit, c'est ce que tu veux. Tu veux être loin de moi afin que tu fasses ce que tu veux faire. Et tu veux quitter mon contrôle, d'accord, fais ce que tu veux. L'homme maintenant dit, ça c'est douloureux, ça c'est insupportable. Je pensais que tout ira bien si je fuyais loin de Dieu. Maintenant il dit, je suis chassé de ta présence. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Je ne peux pas regarder en arrière, il n'y a pas d'espoir. Je ne peux pas regarder l'homme, il n'y a pas d'espoir. Je ne peux pas regarder une situation donnée, il n'y a pas d'espoir là-bas. Je ne peux pas regarder les yeux de mes mains. Mes larmes qui coulent à jamais et mon zèle sans répit. Est-ce que tout cela peut expier mon péché? C'est toi et toi seul. Dans ton plan de rédemption, c'est toi et toi seul qui peux sauver. Pour cela donc, oui. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Je ne comprenais pas quand il a dit, portez les regards sur moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, soyez sauvés. Je ne comprenais pas quand tu as dit, en moi se trouve votre salut, en moi se trouve votre rédemption. Maintenant, je comprends. Et maintenant, je porterai les regards sur ton Saint-Temple. Vous voyez, quand les gens sont appréhendés de cette manière, quand les gens sont arrêtés par Dieu et ils sont dans une douleur agonisante, alors ils cherchent le Seigneur. En 2 Chroniques chapitre 33, verset 9. 2 Chroniques 33, 9. 2 Chroniques 33, 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les anciens que l'Éternel avait détruits devant les enfants d'Israël. Verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et il n'y fit point attention. Il y avait la paix, il y avait la prospérité, il y avait la stabilité, tout allait bien. Dans cette condition paisible, Dieu envoyait son serviteur et parla à Manassé et au reste du peuple. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y a la paix. Il y avait la paix.
ils n'ont pas écouté. Verset 11. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisit Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, Dieu a plusieurs messagers. Il a un messager de miséricorde. Son nom est Miséricorde. Et il vient te dire, Dieu m'envoie vers toi. Il veut te faire miséricorde. Il veut que tu te répandes. Le messager miséricorde. Dieu est notre messager. Son nom est compassion. Et il envoie le messager compassion. Dieu m'envoie vers toi. Il veut te faire avoir compassion de toi. Dieu est un messager. Le nom est amour. Et Dieu envoie cet amour messager. Mais les gens ne veulent pas écouter. Mais il a d'autres messagers. Il a un messager appelé affliction. Il a un autre messager appelé détresse. Il a un autre messager appelé traumatisme. Alors il envoya la détresse. Et quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il n'avait pas voulu écouter le messager de miséricorde, de compassion, d'amour. Alors ils vont répondre quand ils sentent l'autre messager et ses messagers, affliction, souffrance et maladie. Ils n'ont pas de miséricorde. Ils viennent écho des douleurs. Et quand ces autres messagers, le messager d'affliction est venu, de détresse est venu, et ils ont écouté. Verset 13, il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et dans son royaume, Dieu exauce les prières. J'ai dit Dieu exauce les prières. Peu importe le messager envoyé. S'il envoie le messager de miséricorde, dit oui Seigneur, tu vas exaucer ma prière. S'il envoie le messager compassion, dit oui Seigneur, tu exauces ta prière. S'il envoie le messager d'amour, et tu dis oui Seigneur, il va exaucer ta prière. Mais, si tu es allé très loin, et tu n'écoutes pas ce messager positif, alors il enverra le messager dont le nom est affliction, détresse. Et comme tu écoutes, il va toujours exaucer ta prière. J'ai dit, il va exaucer ta prière. Alors Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Troisième élément dans le premier point, la prière d'élévation d'un serviteur reconnaissant et consentant. La prière qu'il a élevée. Quand toute autre chose a échoué et les autres choses ont échoué, parfois l'argent va échouer. Parfois, les contacts vont échouer. Parfois, l'aide humaine, les médicaments humains vont échouer. Parfois, la science échoue. Parfois également, toute la connaissance que tu as, comme quelqu'un qui est vraiment approfondi dans la connaissance, parfois la connaissance va échouer. Quand toute autre chose sur terre échouera, il y a une chose qui ne peut pas échouer, c'est le Dieu Tout-Puissant. Dieu ne va jamais échouer. Dieu ne va jamais échouer. Et quand toute autre chose a échoué dans nos vies, Dieu se lèvera pour toi, pour moi, pour nous. Et la puissance de Dieu agira dans ta vie sans limitation. Et ce soir, c'est ta soirée. Est-ce que tu es là-bas? Où es-tu? Ce soir, c'est ta soirée. Cette puissance agira dans ta vie au nom de Jésus. Jonas chapitre 2, verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse.
Éternel mon Dieu, verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, pas d'amis, pas de sympathisants, pas de compagnons. Quand mon âme, il n'y avait pas d'espoir, tout était à la renverse. Et quand je suis venu à la fin de mon chemin, quand je suis parvenu à la fin de ma course, et toute mon énergie tout a échoué, toute ma puissance. Quand je suis venu à la fin et je ne pouvais plus continuer, alors je me suis souvenu de l'Éternel. Quand tout a échoué, c'est en ce moment de nous rappeler de Dieu. Et Dieu est un Dieu miséricordieux. Il changera tout pour le meilleur dans nos vies, dans nos vies, dans nos ministères, au nom de Jésus. Ses larmes, il va les effacer. Toutes ces conditions embarrassantes, il prendra soin de tout. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Mais Jonas même ne sait pas aller, ne sait pas le poids de Dieu. Là, on ne peut pas aller, nos prières iront là-bas. Celui que nous ne pouvons pas contacter, nos prières vont contacter cette personnalité. Quand il semble que ce lieu est très élevé, je ne peux pas aller là-bas, prie. La prière arrivera là-bas. Cette chose est assez profonde, je ne peux pas descendre là-bas, prie. Ta prière ira dans ces lieux profonds. Peut-être c'est une personnalité ici sur la terre. Et vous savez qu'il est en position de gérer quelque chose. Vous n'arrivez pas à aller vers lui. Votre prière va l'atteindre. Nos prières ce soir vont l'atteindre. Et ma prière lui est parvenue. Est parvenue jusqu'à lui. Ma prière est parvenue jusqu'à toi. Nous ne pouvons pas passer par les portes fermées. Mais nos prières peuvent passer par les portes fermées. Nous ne pouvons pas passer par tous les lieux. Ils ont mis des sécurités là-bas. Nous ne pouvons pas aller là-bas, mais nos prières peuvent pénétrer là-bas. Et ce soir, comprenez, quand vous ouvrez votre bouche, et quand vous priez, et quand vous parlez au Seigneur, je ne peux pas aller là-bas, j'envoie ma prière là-bas, je ne peux pas aller en haut là-bas, j'envoie ma prière là-bas, je ne peux pas aller en bas là-bas, j'envoie ma prière là-bas. Dieu merci, ta prière, tes prières vont parler pour toi. Elles iront pour toi. Et cela veut dire donc que il n'y a pas de situation où nous allons nous retrouver et nous allons dire, ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Le Seigneur lui-même a fait un chat d'offre, donné moyen pour que là tu ne peux pas aller, ta prière ira. Et ma prière est montée jusqu'à toi. Deuxième point, le secret des nombreuses prières non exaucées. Pourquoi? Si Dieu est si miséricordieux, si Dieu est si compatissant, si Dieu est si aimable, si Dieu est vraiment disposé et il est prêt, pourquoi alors c'est parfois nos prières ne sont pas exaucées? En Jonas chapitre 2, verset 9. Jonas 2, verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. La miséricorde est là, toujours là. Et la miséricorde est merveilleuse et multiple. Même si nous avons des miséricordes merveilleuses qui nous attendent, des miséricordes miraculeuses qui nous attendent, toutefois, mais ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Il y a trois éléments. Premièrement, l'observation des vanités trompeuses. Quand nos pensées s'attachent à de vaines, de vanités trompeuses. Deuxièmement, l'opération des vanités dans le monde, dans le mode de vie.
La vie est juste un mot de vie dans les vanités. Et nous poursuivons cela. C'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Troisièmement, l'obsession avec les vanités des derniers temps. Les derniers temps dans lesquels nous vivons, l'obsession des vanités dans les derniers temps. Premier élément, l'observation des vanités trompeuses. Et en Jonas 2, verset 8. Et tous, qu'ils soient à l'église, hors de l'église, qu'ils soient illettrés ou pas, qu'ils soient noirs ou blancs, ceux qui s'attachent à des vaines idoles, ceux qui ont des vaines opinions, ils fuient la présence de Dieu, vanité. Et Jonas lui-même dit, maintenant je vois, maintenant je comprends. Les prophètes y compris eux, le peuple y compris, et des personnes prominentes y compris, les pauvres y compris, ceux qui s'attachent aux vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. La miséricorde est là tout le temps. L'océan de la miséricorde de Dieu ne peut être épuisé. Mais quand nous observons de vaines vanités, nous perdons la miséricorde de Dieu. Deuxième élément, l'opération des vanités dans le mode de vie. Une personne qui dédie sa vie à la vanité, en Ecclésiaste 2, verset 1. Je disais dans mon cœur, pas maintenant. Alors, jouis du plaisir et contemple. Ecclésiaste 2, verset 1. J'ai dans mon cœur, allons, je t'éprouvé par la joie. Et tu goûteras le bonheur. Voici, c'est encore là une vanité. Et il cherche à satisfaire la chair par l'alcool, par marijuana, ou par la cigarette, ou par les choses de ce monde. Et la parole de Dieu dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Quand une personne suit le chemin du plaisir et le chemin des choses terrestres et le chemin pour rendre le corps inutile, vous devez comprendre que l'alcool a un effet négatif sur le corps. La cigarette, le marijuana, a un effet négatif sur le cerveau. Et quand nous nous livrons à ces choses, finalement, Salomon a découvert, oh, ceci est vanité. Que penses-tu que tu jouis de la chair? Par la dégradation et la honte de la chair. Et tu penses que c'est le plaisir, c'est le mot de vie de vanité. Verset 3 dit, J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Tous les jours de leur vie, dans leur mode de vie. Verset 8, je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Comme instruments musicaux de toutes sortes. Verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je désirais une nouvelle dame, Salomon dit. Je l'amenais dedans. Je désirais ce philosophe, je l'amenais. Tout ce que mes yeux voyaient,
Tout ce que mes yeux désiraient, je ne l'ai point refusé. Je n'ai refusé mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue. C'était son mot de vie. Verset 11. Il nous dit maintenant, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la paix, j'ai regardé tous les plaisirs, j'ai regardé toute la musique mondaine, j'ai regardé toutes les choses, le vin, tout ce que je prenais, j'ai regardé tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici tout le vin, la fumée, le marijuana, tout, les femmes, les chants, le plaisir du monde. Tout était vanité. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. L'homme, finalement, a été habitué. Il a tout usé. L'esprit, la force, l'énergie. Tout est épuisé. Le mot de vie, de vanité. Et quand les gens sont dans cette condition, c'est l'une des choses. Parce qu'ils poursuivent les vanités. Ils poursuivent ces vanités. C'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Deuxième point, troisième élément, l'obsession avec les vanités des derniers temps. Quand nous parlons de l'obsession, ça veut dire que cette chose possède la vie de quelqu'un. Cela veut dire que cette chose a englouti les désirs de la personne, la poursuite de la personne. Il est obsédé de toutes ces choses. L'obsession avec les vanités des derniers temps. Les vanités sont différentes les unes des autres. Si quelqu'un qui veut voyager partout dans le monde, il veut être dans tous les pays du monde, il est obsédé par cela. Et il passe sa vie à voyager, sans un bon résultat. Et il ne s'arrête même pas pour se demander, bon, quel est le résultat final? Qu'est-ce que je gagne de tout ça? Il y a d'autres, ils veulent aller de femme en femme. Une femme ici, une femme à l'étranger, une femme partout. Ils ne se demandent pas, cette obsession-là, où est-ce que ça me conduit? C'est la pornographie. Jusqu'à 2h, 1h, 3h du matin, ils surfent sur l'internet, ils regardent ceci, ils regardent cela, autre chose vient et ils regardent ça. Ils sont obsédés par cela. Pour d'autres personnes, elles sont obsédées par des choses qui sont criminelles. Elles sont obsédées par ça. Et elles ne se demandent pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça donne comme résultat dans ma vie? Et la chose les avilit. C'est une obsession. Seul le Seigneur peut délivrer l'obsession par les vanités des derniers temps. Et nous dit, en Actes des Apôtres 14, verset 15. Actes 14, 15. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Ces choses qui amortissent l'âme. Ces choses qui tournent le cerveau. Ces choses qui affaiblissent le corps. Ces choses qui bloquent notre vision. Ces choses qui nous amènent à oublier notre mission ici sur terre. Aidez. Pour que nous cessons, que nous arrêtons, renonçons à cette chose vaine, pour nous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous avons assez pour beaucoup en Dieu pour élever nos vies et pour nous amener à mener une vie qui est satisfaisante, à mener une vie qui est agréable à Dieu. Une vie qui est profitable à tous,
dans notre existence. Je prie que chacun de nous examine sa vie, s'il y a des vanités trompeuses, s'il y a un mode de vie dans la vanité, s'il y a des vanités des derniers temps. Nous devons nous en détourner et revenir à notre Dieu. Alors, nous allons suivre le chemin qui conduit aux prières exaucées et ta vie sera transformée pour le mieux. Ton ministère sera transformé pour le meilleur. Troisième point maintenant. Troisième point, la spontanéité des exaucements merveilleux aux prières. La spontanéité des exaucements merveilleux à la prière. En Jonas 2. Jonas 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et voyez comment, de façon spontanée, de façon instantanée, immédiatement, l'exaucement est venu du ciel. Verset 11. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel parle à tout. À tout ce qu'il a créé, le vent, il a créé le vent, il parle au vent. Le poisson, la baleine qu'il a créée, il parle à la baleine. Et même cette maladie, l'Éternel peut parler à cette maladie. L'Éternel, et quand cette voix vient du ciel, la créature obéira. L'homme est le seul qui a le défi de ne pas obéir. Quand Dieu commande à la pluie de tomber, au temps de Noé, la pluie est tombée, a obéi. Quand Dieu a commandé à la sécheresse, au temps d'Élie, la sécheresse, quand il a commandé le feu de descendre, le feu a obéi. Et quand il a commandé au tremblement de terre, le tremblement de terre a obéi. C'est seulement l'homme qui a le défi, seul l'homme, à la volonté et la liberté. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Mais toutes les autres créatures obéissent au Seigneur. Et l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Pas seulement la terre sèche, mais proche de la ville de Ninive. Dieu pouvait maintenant dire dans le chapitre 3 de Jonas, « Lève-toi, va à Ninive. » Là où je t'ai dit d'aller, va prêcher la publication que je te donne, l'exaucement spontané. C'est comme ça que Dieu va exaucer ta prière ce soir. Toutes ces choses pour lesquelles tu pleurais et tu criais Dieu, oh Dieu, oh Dieu, regarde ceci, regarde cela. L'exaucement spontané pour chacun ce soir au nom de Jésus. Trois éléments à considérer. Premièrement, la réponse spontanée au sacrifice de la valeur prééminente. Le sacrifice de la valeur prééminente. Je t'amène mon cœur. Je te sacrifie en ton Saint-Nom. La réponse spontanée au sacrifice de valeur prééminente. Deuxième élément, le soulagement rapide pour la soumission avec de précieux vœux. Il vient encore et dit de nouveaux jours sont là. Les jours, tout ce que j'ai fait comme vœu par le passé, que j'avais retiré de l'autel, je ramène tout maintenant. Et pour cela, Dieu a répondu rapidement par une réponse merveilleuse. Troisième élément, la libération spectaculaire de la souffrance par sa puissante voix. Oh, quel changement est venu dans la vie de Jonas. Il était en bas. Aux confins de la mer, il est en haut maintenant. Il était dans la mer, il a été remonté sur la terre ferme. Il avait peur, il était désespéré, il était complètement perdu. Maintenant, l'espoir et le secours lui sont parvenus. Une nouvelle chose est arrivée. Il a repris vie. Et tu vas reprendre vie au nom de Jésus. La libération spectaculaire de la souffrance par sa puissante voix. Voyons le premier élément dans le troisième point, la réponse spontanée au sacrifice de valeur prééminente. Voyons
Jonas, chapitre 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Il rendait grâce à Dieu même avant l'exaucement. Et il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. La justification vient de l'Éternel. Le pardon vient de l'Éternel. Le pardon vient de l'Éternel. La rédemption vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu demande? Donne-moi ton cœur, que ton cœur se prenne plaisir à ma voix une fois encore. Et quand il dit oui, Seigneur, je disais non. C'est pourquoi j'ai fui, mais maintenant, Seigneur, tu demandes mon cœur, tu demandes ma dévotion, tu demandes ma main, tu demandes mon habileté, tu demandes mon service, tu demandes que j'accomplisse le vœu du prophète. Quel est le vœu du prophète? Me voici, envoie-moi. Quel est le vœu du prophète? Je reçois la parole de toi et je vais la livrer à ceux vers qui tu m'envoies. Ce vœu du prophète que j'avais fait plus tôt, je suis disponible. Et Dieu l'a exaucé. Et une fois que tu le fais, Dieu ne perd pas du temps. Tu dis, oui Seigneur, me voici maintenant. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai appris, toutes les ressources que j'ai, elles sont à ta disposition. Je vais te servir. Tes prières immédiatement seront exaucées au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, c'est le soulagement rapide pour la soumission avec de précieux vœux. Revenons encore à Jonas, chapitre 2, 10. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action. J'accomplirai. Dieu, prends-moi à ma parole. Cette fois-ci, il n'y a pas de dandinement. Cette fois-ci, je ne vais pas jouer avec le Dieu Tout-Puissant. Cette fois-ci, Seigneur, je dis ce que je veux et je suis sincère dans ce que je dis. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Après tout, je sais que le salut vient de l'Éternel. En Job 22, lisons le verset 27. Job 22, 27. Job 22, 27. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Et tu feras ta consécration. Ce qui va arriver alors, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Prépare-toi maintenant. Ce que tu vas décréter ce soir, Satan n'aura pas le dernier mot dans ta vie. La maladie n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Les problèmes n'auront pas le dernier mot dans ta vie. Les décrets que tu feras, les déclarations que tu feras, les demandes que tu feras, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ouais, le toi là c'est qui? La personne là-bas c'est qui? Qui va faire ce décret ce soir? Et ce sera accompli. Aucune ombre de doute dans mon cœur. Le ciel est ouvert pour toi maintenant. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Troisième élément maintenant. La libération spectaculaire de la souffrance par sa puissante voix. En Jonas, chapitre 2, verset 11. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Tout ce qui t'a emballé va te vomir. Tout ce qui a englouti tes finances, tes enfants, ta famille, tout ce qui a englouti ton ministère, tout ce qui a englouti ta société, tout ce qui a englouti l'œuvre de tes mains, ce soir, cette chose
seul va vomir cette chose au nom de Jésus. La libération spectaculaire, la libération vient pour toi maintenant. Les miracles viennent pour toi maintenant. La puissance du Dieu Tout-Puissant est sur le point d'agir dans ta vie maintenant. Où es-tu? Lève-toi et reçois. Lève-toi et reçois. Lève-toi et reçois. Et dis au Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Le miracle spectaculaire de l'année dans ta vie. Le miracle spectaculaire de l'heure. Spectaculaire, spontané, spécial. Tout ce qu'il faut dans ton cœur. Dieu va tout transformer. Pourquoi ne pas ouvrir la bouche et dire, Seigneur, me voici, me voici, me voici. Je prie maintenant. Que tu sois assis, que tu sois debout, ou bien tu es couché, n'importe où tu es, dans n'importe quelle part du monde, voici le jour, voici le moment où Dieu lui-même veut changer toutes choses pour le meilleur dans ta vie. Parle au Seigneur, et fais ce décret, et dis Seigneur, tu me dis de faire de commandements, de demandes, tu me dis d'exprimer mon désir, tu me dis de faire le décret, me voici, me voici, me voici, je vais recevoir, et tu vas recevoir ce soir, tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui est dans ton ministère, tout ce qui est dans ta famille, que l'ennemi a englouti, qu'une baleine a envalé, voici la nuit, elle doit tout vomir, tu viens maintenant avec assurance, viens maintenant. Tu viendras sur la terre sèche. Tu viendras sur la terre promise du Seigneur. Miracle ce soir. Délivrance ce soir. Libération ce soir. Rétablissement ce soir. Rédemption ce soir. Justice ce soir. Et le Seigneur va le faire. Agira dans ta vie. Tout ce qui cause des soucis dans ta vie. Tout ce qui cause des afflictions dans ta vie. Ce soir, le Seigneur va tout révoquer. Et il va chasser, taper, arracher la main de l'ennemi de ta vie. C'est toi l'homme, c'est toi la femme. Candidat au miracle. Candidat à la libération spontanée. Candidat au miracle, à la puissance miraculeuse du Seigneur ce soir. Abandonne-toi au Seigneur et dis Seigneur, tout ce que j'ai ôté de l'autel, que j'avais soumis avant, que j'avais donné par le passé, maintenant j'ai tout retiré de l'autel du sacrifice, je restaure, mon cœur est pour toi, mon temps est maintenant pour toi, mes ressources sont maintenant pour toi, je suis déjà réveillé, je suis réveillé, l'affliction et les problèmes m'ont réveillé, et maintenant je viens, et ta prière ira en la présence du Seigneur et ta prière aura l'exaucement miraculeux, l'exaucement merveilleux et l'exaucement qui est manifeste à cause de la miséricorde de Dieu qui vient dans ta vie, qui vient dans ton ministère ce soir. Et tu ne seras plus jamais, jamais le même. Dieu exauce encore les prières. Même ta prière, Dieu exauce toujours les prières et il va même exaucer ta prière. Il t'exauce déjà. Tu verras le changement, tu verras le changement, la transformation. Tu verras l'accomplissement du décret, l'accomplissement de la demande, l'accomplissement de ton désir. Dieu exauce toujours les prières. Au nom de Jésus, nous prions. Tu sais, du plus profond de ton cœur, que Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu aimable, un Dieu bien disposé, un Dieu prêt. Et ton heure a sonné maintenant. Lève ta main là-bas, quel que soit le défi, tu as déjà dit au Seigneur, et Satan n'aura plus le dernier mot dans ta vie.
La maladie n'aura pas le dernier mot dans ta vie. La souffrance n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant a le dernier mot dans ta vie. Ton avenir est radieux. Tu es maintenant sur la terre sèche et tu es sur la terre solide. Et tout ce que tu as perdu dans ces temps passés, tout et beaucoup plus, Dieu va te restaurer dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous savons que tu es un Dieu aimable, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant et un Dieu impartial. Comme tu as changé la situation de Jonas, tu vas changer la situation de tout un chacun ici. Tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont partout, tu vas changer chaque situation maintenant même au nom de Jésus. Tu as amené Jonas du fond de la mer au sommet du ministère. Seigneur, je prie, quiconque, tout ouvrier, tout ministre, tout évêque, tout pasteur, quiconque qui te suit ici, là-bas et en tout lieu, Seigneur, élève chacun au nom de Jésus. Refais remonter ton peuple, efface les larmes, ôte le chagrin, ôte les souffrances, qui est un changement visible, tangible, pratique dans chaque vie maintenant au nom de Jésus. Toute maladie là-bas, ici ou ailleurs, je commande maladie. Sors au nom de Jésus. Toute souffrance là-bas, toute affliction là-bas, je commande. Sors au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que tout désir de ton peuple, toute demande de ton peuple, tout décret de ton peuple accompli pour chacun. Exaucement aux prières. Exaucement miraculeux aux prières. Exaucement instantané, spontané aux prières. Et Seigneur, qui est un chant d'amen au ciel. Que pour nous, ici dans le monde, pour nous, ici, en ce lieu principal, pour nous, partout, partout dans le monde, qui est un amen résonnant pour toutes les prières au nom de Jésus. Confirmation dans chaque vie, opération dans chaque vie, joie dans chaque vie. Seigneur, je prie que toutes les choses du passé, elles sont ensevelies. Maintenant, ton peuple est hors du vent du poisson. Nous allons courir pour toi maintenant. Nous allons travailler pour toi maintenant. Et tu béniras l'œuvre des mains de chacun partout au nom de Jésus. Ton peuple réveillé va amener le feu du réveil partout. Et il y aura le réveil partout au nom de Jésus. Confirme cet exaucement spontané, ce miracle spontané dans chaque vie maintenant. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.